tactique, un mot qui définit bien cette sixième Groupama Race. Depuis le départ, les équipages se surpassent physiquement et mentalement, mais niveau tactique, c'est au moment du passage au sud qu'ils font face à un choix stratégique. Les concurrents ont été confrontés à une décision importante à prendre, soit naviguer vers la route directe en effectuant le moins de distance possible, soit choisir de s'éloigner de la côte, de rallonger la distance afin d'éviter potentiellement des vents faibles près de la côte. Et voilà l'un des premiers pièges du parcours. Ceux qui ont fait le choix judicieux de prendre au large s'en retrouvent rapidement avantagés. Certains bateaux ont tiré des bords, enfin dans le jargon voileux, tiré des bords. Donc c'est virer de bord et s'éloigner de la côte, c'est-à-dire circuler, enfin partir sur une direction qui est perpendiculaire à la direction normale pour choisir de s'éloigner de la côte. Et ils ont rencontré des vents plus importants que le groupe qui est resté donc près de cette côte est avec des vents très faibles. Dans l'après-midi, le bateau de tête atteignait une vitesse de 10 nœuds. À ce rythme, les premiers équipages se dirigent droit vers le grand passage entre les îles Surprise et les récifs du Nord. Là-bas, il leur faudra également entreprendre les bonnes manœuvres car ils seront confrontés à d'importants changements de vent. Maintenant, un autre système les attend au nord de la Nouvelle-Calédonie. Ils vont le rencontrer cette nuit. On a un système météo avec un petit front, une petite zone dépressionnaire qui arrive sur le nord, avec une masse nuageuse, et les vents vont changer, avec des nuages qui peuvent générer des vents particuliers sur des zones très, très localisées. Et là encore, les options, la navigation va être délicate pour les stratèges de chaque bateau. Une fois cette étape passée, ils entameront la descente de la côte ouest avec en principe un vent nord-nord-ouest qui pourrait leur être favorable.